Alfred! Alfred n'était pas un soldat allemand ordinaire. Non. Si peu ordinaire qu'on l'avait surnommé le franciscain de Bourges. Le franciscain de Bourges, c'est Alfred Stanke, un homme encore vivant, dont la vie pendant l'occupation a été relatée par l'un de ses principaux témoins. Et ce récit est tellement authentique que tous ceux qui ont été aidés, sauvés par le franciscain de Bourges ont accepté que leur nom véritable soit gardé dans ce film, tourné sur les lieux mêmes de l'action. Marc Toledano, vous avez écrit ce livre. Vous avez bien connu le franciscain de Bourges. Qui est-il ? Tout simplement un petit franciscain, nommé caporal infirmier à la prison de Bourges, et qui, avec comme seule arme un peu de mercurochrome pour soigner les plaies, et beaucoup de bonté pour soigner les âmes, s'est dévoué à tous ceux qui avaient eu à souffrir des tortures de la Gestapo, et en particulier à mon frère Yves et à moi-même. Nous le considérions tous comme un saint homme. Je ne suis pas un saint homme. Est-ce qu'on peut être un saint homme quand on voit ce que je vois? Yves Toledano, parlez-nous du frère Alfred. J'ai été pris par la Gestapo, emprisonné, questionné, torturé. Sous la torture, j'ai avoué. J'ai été jugé, condamné à mort. Le frère Alfred m'a réconforté. Il est allé prévenir mes parents qui ont employé tous les moyens possibles pour me sauver. Sans lui, je ne serais pas vivant. On a besoin de toi. Personne n'a besoin de moi. Madame Magnol, votre mari était un grand résistant, n'est-ce pas? Oui. Il a été grièvement blessé. Le frère Alfred avait été chargé de le transporter à l'hôpital de Tours. Alors que je le croyais perdu, il a réussi à nous réunir. Vous partirez. Mais où partirez-vous? Loin, très loin. Vous sauvez tous les deux. Mais vous, on vous arrêtera. C'est égal, moi, petit franciscain. Monsieur Desgeorges, vous aussi, vous avez bien connu le frère Alfred. Lui et moi, nous servions d'intermédiaire entre les prisonniers et leurs familles. Mais c'est lui qui prenait tous les risques. Alfred a toujours de la chance. Dieu le protège. Et vous, Alfred Stanke, pourquoi vous a-t-on surnommé le franciscain de Bourges? Je suis un soldat allemand, mais je suis aussi un frère franciscain. Je suis ici pour servir tous mes frères.